Ça fait combien de mains ? Vous avez une autre règle du jeu de Sabacc d'où vous venez ? Les chiffres de ce plateau sont peut-être un peu trop élevés. Je connais de meilleures façons d'occuper mon temps. Puisque la partie est en train de perdre de son intensité, je pourrais vous parler une minute ? Je crois que quelqu'un a trafiqué le navordinateur. Trafiqué ? Comment ? Je n'en ai aucune idée. Chaque fois que j'entre un itinéraire, il me renvoie vers une planète aux confins de la bordure extérieure. Richie. Richie ? La planque des pirates ? C'est ce qu'on raconte. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas se faire des crédits dans ce genre d'endroit, mais j'aime bien avoir mon mot à dire. On peut le réparer ? Déjà fait. Mais quelqu'un veut qu'on aille sur cette planète. C'est peut-être une offre de travail déguisée. Ou un piège. Quoi qu'il en soit, ça a l'air plus marrant qu'une autre partie de Sabacc. Allons voir ce que Richie a à nous offrir. Alors, la bête du néant en personne. Tu sais qu'il y a un représentant de la République à Port-Nulle-Part maintenant ? On dirait presque que tu as fait le ménage là-bas. Beryl Sorn. Ça remonte à quand ? Kesh ? Oublions Kesh. J'ai encore des démangeaisons à cause des vapeurs. Écoute, j'ai vu que tu étais sur Richie et je me suis dit qu'il fallait que je te parle de quelque chose. Une opportunité s'est présentée. Que dirais-tu qu'on s'enrichisse ensemble ? Ça fait longtemps qu'on m'a pas fait ce genre de proposition. Tu sais que je suis partante. Tant mieux, parce que je n'ai pas d'équipe et que c'est un travail pour deux personnes minimum. Passe faire un tour sur mon vaisseau et on en parlera. Terminé. Capitaine ? Beryl ? Alors, qu'est-ce que tu deviens ? On m'a proposé de devenir corsaire, mais j'ai refusé. Pas mon truc. En revanche, j'ai acheminé du matériel militaire pendant un temps. Puis le Sénat a passé un décret interdisant aux personnes ayant un casier de transporter du matériel militaire. J'en bave depuis. Où est ton droïde ? Argo, c'est ça ? Je l'ai perdu en fuyant de Nar Shaddaa quand la guerre a éclaté au sein du cartel des Hutt. Comme je disais, j'en ai bavé. Et toi ? Il paraît que tu n'as pas chômé ? Il semble que le chancelier et le SIS me prennent pour une solutionneuse de problèmes. Depuis le loup du néant, j'ai passé mon temps à sauver la galaxie. Il paraît que la République s'effondrerait sans moi. Tu es doué, mais je crois qu'on te passe de la pommade. Bref, parlons affaires. Tu as déjà entendu parler de Gar Black le Hutt ? Ça me dit vaguement quelque chose. Il était dans les affaires avant de se retirer sur une lune d'Osco il y a une dizaine d'années. Il est plutôt posé pour un Hutt. Il évite les ennuis. Mais suite à l'alliance cartel-République, il craint d'être pris entre deux feux. Il a donc échafaudé un plan. Je suis tout oui. Gar Black a fait construire un cuirassé de luxe à bord duquel il compte embarquer pour une croisière de 10 ans en dehors de l'espace connu. Il pense que la guerre sera finie à son retour. S'il est si riche que ça, je me fiche de la taille de son vaisseau. Il laissera une fortune derrière lui. C'est bien le problème. Le vaisseau est si grand que Gar Black s'est ruiné. Il vend des milliers de places aux enchères. Donc n'importe quel nanti pourra fuir la guerre avec lui. Les billets sont hors de prix. La moitié de la galaxie veut partir, mais seuls les gros bonnets pourront se payer le voyage. Réfléchis,
Combien serais-tu prête à débourser pour accrocher les gants 10 ans dans une croisière grand luxe? Tu cherches une échappatoire? Plus de coups, de fusillades? Tu veux prendre ta retraite? Je ne vois pas de mal à ça. Les Hutt ont beaucoup de conversations. Je suis lasse de me battre. Toi aussi, je pense. Où veux-tu en venir, Beryl? Je suis la piste de 2 douzaines de billets volés par des pirates et planqués sur Richie. Je pourrais les revendre pour 10 fois leur valeur. On vole les billets et on se partage le bénéfice. On peut même en garder quelques-uns pour nous. J'ai sous-estimé tes talents d'arnaqueuse. Comment se fait-il qu'on n'ait pas collaboré depuis Taris? Toi, Richa, les autorités, le cocktail habituel. Bon, où est-ce qu'on trouve les billets? C'est là que ça se corse. Ces pirates stockent leur cargaison un peu partout. Impossible de visiter chaque planque. Mais j'ai piraté le registre des droïdes de leur cargaison. Si on leur fait croire que leur propriété est en danger... Ils enverront un droïde pour s'assurer que les billets sont en sécurité. Exactement. Je te dirai où se rend le droïde. Il ne te restera plus qu'à faire ma base sur les billets. Faire sauter quelques trucs, observer les droïdes, voler les billets. Un jeu d'enfant. Tu oublies la dernière étape? Devenir riche. Beryl. Les pirates sont aux abois. Ça a dû marcher, mais pas d'ordre de récupération. Persévérez. Ces billets seront bientôt à nous. Les pirates viennent d'envoyer une demande de récupération à l'un des droïdes. Je vous envoie le numéro de caisse et les coordonnées. Ces billets doivent être là. Ne laissez pas le droïde mettre la main dessus.
capitaine. Tu les as ? Oui. 2 douzaines de billets pour le cuirassé de luxe de Gare Black. C'est notre billet de sortie. On n'aura plus besoin d'échapper aux patrouilles impériales et aux douanes de la République. Et... Mais attends... Bon sang ! Ne me dis pas que ce sont des faux. Non, ils sont authentiques, mais ils concernent le pont 7, réservé aux races respirant de l'ammoniac. On n'aura pas de problème à les vendre, mais pour nous, c'est râpé. Tout ne s'est certes pas passé comme prévu. Je suis quand même tombée dans une embuscade, mais on a réussi un casse d'anthologie. Bien évidemment, tu n'y perds pas grand-chose. Tu as gagné et dépensé des millions, c'est ça ? Si tu voulais te retirer, tu l'aurais déjà fait. Désolée, je... Dis-moi une chose. Pourquoi continues-tu de te battre ? Honnêtement, j'aime me battre. J'aime voir et faire des choses que personne n'a vues ou faites avant moi. Ça me plaît de pas savoir si je survivrai à la journée. C'est pas pour tout le monde, mais je tiens à ce mode de vie. Donc en résumé, tu es complètement fêlée. Merci du compliment. Merci pour ton honnêteté. Quoi qu'il en soit, on peut toujours s'en remettre à l'argent. Une leçon à ne pas oublier la prochaine fois. Si tu cherches plus que de l'argent, je connais des tas de gens qui auraient besoin d'un capitaine futé et d'un vaisseau rapide. T'es pas obligé de devenir corsaire. Le chancelier suprême me doit quelques faveurs. Serais-tu en train d'essayer de faire de moi une héroïne ? J'essaie simplement de me débarrasser de toi. Ce que je cherche avant tout, c'est un travail qui me correspond. D'accord. Marché conclu. Pour en revenir au billet... Je tiendrai promesse, tu auras ta part. Il y a des tas de Hutt et d'Arcona prêts à mettre la main à la poche. Dommage que la plupart de ceux qui peuvent se payer ces billets n'en aient pas réellement besoin. Ils sont protégés par leur gang ou leur armée. C'est injuste, mais c'est une façon de s'enrichir sans blesser personne. Oui, c'est déjà ça. Je ferais bien d'y aller. Si je dois bosser pour la République, j'ai quelques affaires à régler d'urgence. T'inquiète pas. À la prochaine, Beryl Sorn. Fais attention à toi. Retourne sauver la galaxie. Pour tous les pauvres diables pris dans la tourmente.